Eh bien le bonjour, chers amis voyageurs. J'espère que vous allez bien. Alors on va continuer. Le numéro 14. Et on va continuer ce qu'on est en train de faire, hein, ce qui est bien marqué à droite, seul parmi les étoiles. Je cherche la position angulée, la position pour localiser Thémis. Donc c'est ce qu'on va faire. Hein. On va demander. C'est là-bas. Comme d'habitude, le petit lac du départ. Constater hein. Dans No Man's Sky tout n'est pas réglé, bon, ouais. On espère juste que bon, on n'a pas besoin de rentrer dans le bâtiment hein. C'est ce qu'il y a de bien. Ah, on aurait pu atterrir là-bas, ça, on aurait pu rentrer dans le bâtiment. On va quand même s'occuper de là. Ah oui, tout à fait, les amis là en dessous, vous êtes protégés hein. La structure, je sais. Alors, on ressort notre scanner de signaux et nous allons trianguler la position. On récupère et ça nous indique un autre site. Je voulais juste aller faire le point de sauvegarde. Je vais ramasser ce qu'il y a là. Alors par la suite, on va aller faire un de ces bâtiments, très important. Hein. C'est dommage comme les scanners, ça ne dit pas ce que c'est. Enfin, les, avec la vision, c'est pas grave. Hein. On n'est pas là pour ça maintenant. Hein. Regardez comme si je vais scanner la boîte. Il est bête. De toute façon, hein, si vous vous rappelez, dans l'épisode d'avant, on avait assez d'uranium pour décoller. Et on doit aller. Ah bah, pour l'autre base. Hein. Et encore un petit lag. Pour leur route. Parce qu'à chaque fois qu'on avec le plongeur à cœur, ça me fait la gueule. Il faudrait que je regarde comme si ça.
pas intérieur. J'ai beau appuyer. Cette planche d'atterrissage est pas disponible. Vous voyez bien comme moi, hein. Je peux essayer d'atterrir sans ma mort. Faire les amis. Oh, tu veux pas qu'on atterrisse? Alors ici il n'y a pas plus loin. Ah tiens, pas plus loin. Je vais récupérer un peu de dioxyde. Je vous montrerai pourquoi après. Pas qu'on y est, hein. Naturel ici. Ah. On ira faire un tour, cimetière. Alors pour l'instant, on va s'occuper. Et du cuivre. Ah, c'est pas la fin. Ah, je vais déjà me débarrasser de ce que j'ai trafiqué. Si vous vous rappelez bien le dernier épisode. On a une ouf, ça m'a fait peur, tu vois. Normalement, si c'est comme avant, comme dans le temps, vous vous mettez contre la paroi. Regardez. Nous y en part des atterrissages, bien sûr. Mais bon, c'est qu'un détail, un petit détail. Vous allez voir que je vais trouver le plot ou pas. Alors, on va se mettre là. On pourrait lui parler, hein. Détection de signal d'arbre passe en ligne, sous programme de navigation en ligne, détection du
unité d'amélioration de l'exéoptimisation en ligne. Alors, bah, au triangle. Et hop là. Et. Ah, c'est pas ça que je voulais faire, excusez-moi. Petite erreur de diagnostic. Alors, j'ai vu à 600 mètres un cimetière. Alors, on va aller regarder. Je regarde combien que j'ai de place. Pas beaucoup. Qu'est-ce que je pourrais. Ah, voilà à quoi sert aussi la dioxyde, hein, les amis. Vous pouvez recharger avec la dioxyde. Technologie rechargée. Hein? On n'avait pas vraiment besoin. Oula. Ça, en permanence, ça veut dire fini. Hein. La partie terminée. On va aller voir au cimetière. C'était mis quoi comme protection en fait? Est-ce qu'on en a mis une déjà? Non. Bon, ok. Après, c'était pas mis de protection. Ouh. Il y a eu les rebonds? Du cuivre, encore une fois. J'ai pas de place. Vous avez vu les amis? Mon bouclier. Il était presque. Limite là. Encore un petit coup et je perds mon une étoile là. Une croix. En haut à gauche. Voilà. Il y a des trois filements, le temps que ça remonte. Hein. Voilà, vous avez vu, ça remonte. Et là, on a un tas de destination. Ouh, ça a l'air forte. Un os particulier, c'est ce qu'avait datation, environ 622 ans. Le crâne de cette collection d'os comporte un nombre inhabituel d'orbites oculaires. À quel défi cette créature faisait-elle face pour qu'elle développe autant de yeux? Oui, une bête. Alors il y en avait qu'un, on va regarder comment il valait. Voilà, 678 000, les amis. Alors, maintenant, on va appeler le vaisseau. Retourner dans l'espace et contacter Artemis. Et ben c'est ce qu'on fait. On va faire. On va faire le plein de tout. Technologie rechargée. Technologie rechargée. Voilà, notre petit vaisseau il y a le plein. Et on y va. On est reparti dans l'espace. Vous voyez, c'est à chaque fois que je sors de l'atmosphère, j'ai la lag. Hein. Alors. Vous voyez, à la droite, en bas, on a un message. Et on a Artemis qui nous parle. Et je vous laisse lire, les amis. Comme ça, vous entendez du bruit d'Artemis aussi, hein. Alors, il nous demande d'aller à un holoterminus et transférer les données qu'on a récoltées en triangulant la position. Notre position. Hein. Alors je vais scanner. Et c'est magique, ça me donne la position dans le terminus. Et on y va en plus.
Vous voyez, parce que dans l'espace, ça ne fait pas le lag. Oh, c'est pas trop le manga, ouais, les amis. Le reste du jeu, il est super beau. On pardonne un peu les aléas. Là, parce que là on peut atterrir et on peut décoller gratuitement. Alors vous voyez, si je m'en serais fait abîmer, comme elle est jolie, c'est... ils ont bien rendu jolies les fenêtres chaudes, brûlantes, c'est vraiment beau. Alors bien sûr on va faire les câbles, hein. On prend le métal rouillé. Et la relique geek. Voilà ce que je voulais vous dire. Si vraiment on se sera abîmé. Je fais comme ça parce que pour vous montrer, voilà. Si j'aurais perdu une croix, ben j'aurais pu la retrouver avec ceci. Mais là, comme je suis au maximum, ça me donne rien plus. Hein. Là aussi, hein, on se voit toujours, les amis. Je vais vous montrer tout de suite pourquoi. Déjà, vous avez voilà, on a découvert le site. Ça après vous allez dans découverte et tout ça c'est ici et en les envoyant comme je suis en train de faire là, vous tout envoyer d'un coup aussi hein, mais attention ah, vous avez vu il nous manque deux animaux sur ça la flore voilà ça aussi on peut tout envoyer en fait. Mais je me sens que si vous faites ça, vous envoyez tout d'un coup. Voilà, on a reçu 184 nanites en faisant ça. Alors nous maintenant, on doit aller en haut. Ça s'appelle un nœud terminus. Hein. On l'a déjà vu une fois. Normalement, on va parler avec Artemis. À chaque fois, vous avez vu, hein, il traverse le truc. Hein. Je me demandais l'autre fois pourquoi je me tombais toujours là. C'est parce qu'il traverse la structure, le bonhomme. Au perso. Alors voilà. Tour de com holographique. Il me dit qu'il y a plusieurs sources de signal sont disponibles. Je laisse venir les amis. Et on l'active. Hein. Et on va parler à Artemis. C'est une nouvelle projection d'Artemis. Hein. As-tu triangulé la projection Dis-moi quand tu seras prêt à recevoir des données. Ben, confirme. Et je vous laisse lire. Alors il va nous filer quelque chose qu'il va falloir... Voilà. Donc là on a déjà le microprocesseur mais il nous faut du cuivre. Je sais pas pourquoi je savais qu'il fallait que j'en prenne mais bon on n'avait pas pris. Alors est-ce qu'on peut en avoir d'ici là
Par contre, vous avez vu des modules, il y en a partout ici. Hein. Parce que je vois. Ça, c'est notre base. Hein. Voilà. Alors, on a un dépôt de cuivre. Hein. J'arrive à la scanner. S'embêter, hein. C'est mieux. Voilà, si vous prenez bien à temps le jetpack, vous abîmez pas. Hein. J'espère juste qu'on en reviendra. Normalement, je voulais être localisé, vous avez vu. Et maintenant, ben, on ira au vaisseau. Hein. On va essayer d'avoir 100 cuivres, je suis pas sûr que je m'en rends. On n'aura pas les 100. Hein. Ouais, j'ai envie d'avoir mis des morceaux. Vas-y. Ça dans mon vaisseau, ça a mis en place et je vais récupérer ça. Je sais pourquoi le corps s'en coûte super cher. Vous allez voir tout plus tard quand on aura plus de récupérer. Alors, licence 69 de chlore, 101 000, hein. Les amis, pour remplir un stack de ça, c'est des millions, hein. On se connaît, non? Oui. Ah, je ferais bien les modules, hein, ils sont tout prêts, mais bon. Ah, c'était plus près, là. Bon, on va voir. On n'est pas là pour ça. Combien de cuivre j'ai chopé? Ah, vous avez vu? On le voit pas ici, c'est parce qu'il l'a mis ici, on en a que 60. Donc il faut qu'on en trouve encore. On n'a pas de phosphore qu'on cherche. Pas la ferrite non plus. Ah. Bah, écoutez. On va décoller. Un peu avec le vaisseau, hein. Regardez-moi, même de nuit c'est joli, vraiment. Bien joli. Vraiment joli. Alors, je reprends ma visière d'analyse et je recommence à en voir. On retourne dans le vaisseau. Vous avez vu, hein, j'ai localisé, je l'ai entouré. Comment dirais-je,
je l'ai marqué, si vous voulez. Alors, on va partir. On fait toujours le plein. On se gêne pas, hein, les amis. Voilà, c'est pas loin d'empiler la pile, hein, mais bon. Voilà. N'intéressez pas trop près avec votre vaisseau. Sinon, vous n'arriverez pas trop vite. Alors, on a un gros morceau là. Alors, trop besoin de plus que nécessaire, hein. On aura toujours besoin. Hein. Là, je vais tout prendre. Hein. Là, on n'est pas limité par le nombre dans les packs. Hein. Ah si, on est limité, mais... pas de différence, hein. Tu peux être sur milieu en format et sur lui. Alors, on m'en est à... non, 232, hein. Surtout là, c'est 500 en plus, hein. En permanent et en survie. Mais là, je sais pas comment c'est. Je peux même pas vous le dire. Il n'y a plus le... avant, on avait un trait, là, comme là. Vous avez vu, il y a un trait. Là, il n'y en a même plus. Ah, vous connaissez? Oui. Je pense que c'est des volants. On cherche. Voilà. Alors, maintenant, la place va nous marquer. On va devoir se débarrasser de quelque chose. Hein. Ah non. Non, je ne sais pas. Regardez les amis. Hop. Je prends le métal rouillé, je vais le mettre dans la raffinerie, je vais le lancer. Je vais retourner dans la terre. Je mets ça là. Et un peu le traducteur d'arsenic. On est coupé. Là, c'est notre raffinerie, hein. On va mettre 18 de carbone, tout ça on est plein. Et voilà. Donc, parlez aux extraterrestres dans les stations spatiales pour apprendre leur dialogue. Apprenez des mots dans les ruines anciennes et les sites historiques. Allez, installez un mode subwriter en réseau comme une zone pour traduire vos conversations. Voilà. Ça nous a détecté un avant-poste qui est en 11 minutes hein, à pied. Je vais voir, je vais monter dans le vaisseau. Bon, j'ai autre chose. Voilà, à 2 minutes en vaisseau, et quand j'accélère, bien sûr, on est à plus que 23 de mon âge. Atterrir déjà, je vois ça, de loin, avec le rond, hein. Bon ben, nous sommes dans un temps de mineur, hein, les amis. Avec autour belle végétation. C'est ça. Hein, il faut qu'on nous parle à lui. Alors on va lui parler. Ah, j'ai oublié son nom. Asnum. Alors, on a appris que les mots ami, jeu, geek et ingénieur, hein, c'est pour ça. Et jeu. Donc déjà, comme le premier. Et c'est pour ça qu'on comprend juste ce qu'on a appris. Inventaire. Ah, effectivement. Ne vous inquiétez pas. J'ai un inventaire plein. Vous savez ce qu'on va faire? On pourra toujours lui parler, hein? Pas de problème.
je regarde toujours comme le. Bon, il est moins bien que le mien, hein. Je suis là. On va en vendre. On a déjà à vendre le clos, 102 000. Et normalement. Ah non, je l'ai mis dans le vaisseau. Ah, mais pas de problème. J'ai atterri sur la plateforme. Si vous intéressez sur la plateforme, vous pouvez interagir avec l'inventaire de votre vaisseau. Hein. Et on va vendre ça aussi. Et ça va nous amener à 1 900 000. Voilà, ça c'est bien. On va prendre Valier là maintenant. Hein. Il est rentré en faveur. Pour l'Inaïte. Et maintenant, bah, on interagit avec lui. Il est censé nous donner quelque chose. Si j'arrive encore à parler. Vous voyez, c'est marqué visite dessus, mais bon, il y a encore l'icône au-dessus de la tête. Hein. Ami, voilà, il va venir. On va demander de l'aide avec le direct. Ah, il me prend un diagramme. Voilà. Donc voilà. Alors, en disant, c'est quoi comme mot en fait. Alors, on va ressortir. Voilà, on a tout. De toute façon, on a tout. Si j'avais la tête, un petit truc là à prendre. On a une étape de voyage. Voilà, 5 mois après. N'hésitez pas les amis à apprendre des mots. Hein. Alors je vais ici. Ça, ça ne donnera pas sa face. Ça pourra se faire. Alors on a deux trucs à récupérer. Ça va, je me suis endommagé. Je n'ai pas de place, je vais le supprimer. Inventaire. Et voilà ce que je craignais. Donc, on va utiliser ça. Ça m'a indiqué le prochain objectif, le prochain endroit où on doit aller apprendre des mots. Voilà, l'artefact de la presse. Alors, j'ai une place ici libérée et je vais le prendre. Si vous voulez, c'est un module d'extraction. Le rayon d'extraction S, si je me trompe pas. Oui, il est bien là. Donc, hop. Et ben, les amis, on va l'installer. Je vais le mettre. Je vais prendre ça et je le mets là. Vous voyez que quand on aura un de plus, on va mettre tout ça là. Là, on va prendre de la poudre de silicate et charger. Ça, on est bien plein. Ah, c'est pas, hein. Sauvegarde du manuel, va tout servir. Pas de bug. Ah, encore une pièce. Je vais pas le prendre parce que j'en ai assez là. Hein. Mais ça. Une gelée, on en a déjà eu. Là c'est pas bon. Là, ça. Je vais pas aller la chercher. Ok. Alors on peut remonter dans le vaisseau. Et aller direction la relique ancienne. Et on est parti. On est pas loin. 14 secondes. Ah, c'est un petit coup de vaisseau. Quoi.
Ouais, mais c'est pas grave. Et on va, ça s'appelle une relique ancienne. Hein. Ça nous dit qu'on a bien atteint la destination. Alors je vais essayer, les amis. En attendant, j'ai fait couler mon petit café. Pour comprendre la langue, hein. Parce qu'on pourrait très bien rechercher le savoir ancestral, hein. Ça serait pas plus mal, hein, d'ailleurs, parce qu'il y a peut-être un bon loot à la clé, mais nous, on va venir là pour apprendre la langue, hein. Je vais se dire. Le calibrage du tracteur, il est à 66%. Alors, on retourne le saut. Non, je sais pas pourquoi ça a pas saisi tout de suite. Quoi. Ça. Petit bug du jeu. Je voulais vous montrer hein, quand même les étapes clés. Alors on sait qu'on est devenu numéro 2. Ah voilà, chez les geeks. Voilà, les Steam. Voilà. Et chez eux, on a appris 6 mots. Chez les Vulcans, on est neutre. Je sais pas, vous allez rencontrer des personnes ou des systèmes visités, ça va monter. Pour l'instant, on n'est pas là. Hein. Voilà, donc c'est chez les geeks, on est... c'est normal. Hein. Le système où on est, solaire, hein, c'est par les geeks. Hein. Donc, je vous remontre. Pour découverte. Voilà, vous avez vu, on nous a rajouté un. Voilà, donc là, vous avez. La planète où je suis. Ah, vous avez vu ça? Découvert il y a 4 années par Vic428, joueur PC. Ah ben à l'époque, de toute façon, on n'aurait pas pu le voir. Maintenant, bon, ça peut être indiqué autre chose maintenant. Alors, vous voyez, mais ça se trouve, le climat et tout ça, c'était pas la même chose. Hein. Non plus. Et race dominante, si vous allez là, c'est marqué Geek. Un niveau de conflit, c'est impressionnant, hein. Attention les amis. Et économie, construction, satisfaisant. Donc ça va quoi. Alors maintenant, on doit trouver une pierre de savoir. Pierre de savoir avec la visière d'un ennemi. Tout à l'heure j'en avais une. Non, cargaison. Alors hop, je remonte dans le vaisseau. Thank you.
qu'ils appellent une pierre de savoir. Hein. Et voilà. Donc là, le calibrage du traducteur d'Artemis est calibré. Voilà. Rentre à vos postes détectés, on va y aller. Je voulais juste regarder la suite. Si je l'ai. Alors on va voir Nada. C'est une nouvelle hein. Alors, si c'est pour être Nada, je vous laisserai lire les amis. Alors on va lui parler d'Artemis hein. Il nous dit que j'en ai rencontré des autres amis voyageurs, d'autres voyageurs. Et on dirait qu'Artemis a oublié Nada et que c'est étrange. On lui demande qui c'est. Le seigneur ennemi. Et là, il va me donner 80 nanites et surtout 150 litres d'argent. Ça nous intéresse. Alors, on va parler à Poulou. Et on va l'interroger sur Artemis, parce que là, on est là pour faire. Des recherches sur Artemis, les amis. Alors, on nous demande d'aller là-bas. Parce que j'ai récolté. Alors, on a
avait déjà débloqué ça. Ça. Ah bah, il nous en manque une, hein. C'est dommage, hein. Bah, on va continuer dans le bois, alors. Alors, on va commencer dans le métal, dans le béton. Les amis, ça, je vais pas le débloquer. Vous verrez plus tard pourquoi. Ouais. On va plutôt débloquer la pièce carrée. Voilà. La pièce cubique. Et le support de fondation. Et qu'est-ce que je vais prendre encore? Le sol des pièces cubiques. Alors vous vous rappelez, hein, vous n'avez pas oublié. Si on augmente cette combinaison comme dans les stations, hein, les amis. Et chacun que vous allez changer de système, il y aura les deux à faire, hein, la station et ici. Alors j'aurais pu améliorer. Ah. Ici. Ici, hein. Alors là, chez lui, je suis quand même d'anit. C'est bizarre que je n'ai pas eu ça encore. Bizarre. Je vais prendre ça. On va lui reposer. Ça c'est aussi dommage, hein. On sort à chaque fois qu'on a acheté un truc. Alors que moi je vais lui acheter ce qui est en dessous. D'abord ça. Encore une amélioration, je vais prendre ça. Non. Ah, je vais prendre ça. Je vais prendre le reste après. Voilà. Alors. On va d'abord aller voir les autres amis qu'il y a ici. Hein. Par exemple. Helios. Je vais finir. Et si vous n'avez pas le temps, faites un petit pause. Hein. Si vous n'avez pas le temps. Mais là, il va me dire toujours la même chose. Hein. Sauf le cadeau. Là, il me demande de lui remettre les données de la flore. C'est-à-dire les plantes. Hein. Les plantes, hein. Il me donnera les nanites. Combien? 30, hein. Oh. Ça c'est parce que ça fait pas assez longtemps qu'on y est passé. Hein. Ensuite. Arès. Aujourd'hui, il n'y a plus de temps. Eh ben, on va lui en échanger une, j'en ai une dans le vaisseau. Contre 3 nanites. Non mais là, excusez-moi. Alors, on est là. Ah, 700 là, hein. Voilà, maintenant on est à 1300.
Alors maintenant, on pourra retourner Ah, je vous rappelle que j'ai encore mon petit ami, hein, mais bon. On s'en occupera plus tard, hein, parce que là, on peut pas tout mélanger, les amis, hein, parce que sinon ça va devenir compliqué. Oh, qu'est-ce qu'il est beau celui-là. Voilà, ça aussi je regrette, hein, parce que. Les vaisseaux, vous pouvez voir ce que c'est. Le vaisseau des autres joueurs, vous pouvez pas. Toujours pas. Bizarre. Moi j'aurais bien acheté parce que là j'ai acheté le. Ici je décolle sans carburant, hein, c'est comme une station. Hein. Mais parce que là j'ai acheté un truc, j'aurais bien acheté un autre. Je sais pas si je vais améliorer le vaisseau là. Hein. Ce départ, le jour où je trouve une bonne épave, je vais m'en séparer vite. Même dès que je trouve une navette. Hein. Allez, on s'en va. Avec plus de place. Ah. On a un petit pirate avec une prime, on va le faire. Hein. Voilà, le tout c'est de bien prendre le virage. Alors, est-ce que ça a changé ou pas? La prime. Ah, j'aurais dû regarder quand même somme que j'avais avant. Ouais. C'est possible, hein, parce que j'étais pas à 2 millions. Hein. Alors, on doit faire quoi? Alors, quand on sait pas, on va dans le journal. On retourne sur seul parmi les étoiles. Calibrage, hein, voilà. Ah bah ça nous indique, hein, vous voyez. Donc c'est ici. Assistance potentielle. Et on y va. Je vois un vaisseau comme ça, j'ai le moral parce que ça se, on va trouver une épave de stage. Là c'est 2 millions et quelques, c'est pas le pire. On va se contenter d'acier. On doit aller parler au monsieur, hein, mais je vais juste regarder pour qu'elle décolle. Ça. Ah, ah, 8 millions ça. Non, non. Bon, bah, on va aller parler. Ah, il y a deux messages qui nous ont fait. Bon, allez. Ah, regardez bien ce que je vais faire, hein, ce coup-ci. Ça va être très important.
demande d'améliorer mon rang de réputation. Normalement, pour améliorer un rang de réputation, les amis, ça se fait dans la station spatiale. Nous, on va s'éviter ce charabia, comme il dit. On va le faire ici. Donc là, on est obligé de quitter. Hein. On n'a pas en suffisant pour pouvoir parler. Hein. Alors moi, ce que je vais faire... Je vais aller acheter quelque chose à lui. Ça tombe bien, j'avais besoin que d'en acheter qu'un. Donc hop, on va acheter des articles. Je vais acheter une pour les geeks. J'espère que c'est pas des gros geeks. Hein. Une seule. Donc une seule, c'est déjà 95 000. Hein. Et je retourne là-bas. Alors, on va aller voir. Oui. Regardez là. Unis Black, Fire Black, il fait nuit, ça tombe bien. Et il est responsable de mine, donc on va lui parler. Oui, voilà, améliorer notre estime, 1 sur 2. Donc on va faire la même chose avec un autre. Slappy là. Et pareil, je lui offre ma présence. Ce qui va me faire augmenter mon estime. Et ça tombe bien, c'est le même. Même si on a marqué. Et je vous laisse lire, allez-y. On va pas demander des informations, on va résister au gaz. Il veut du zoom. Il a largué à pied, quoi. On va lui remettre des unités, quoi. Voilà. Et on va lui faire décoder le graphique stellaire que Artemis nous a fourni. Je vais pas lui dire demander s'il aurait pu se tromper parce que c'est déjà sa réponse et on va le remercier et partir. Donc ces données pour lui ont été créées de toutes pièces ou bien elles sont corrompues. Un tel endroit n'existe pas. Maintenant on nous demande de retourner dans l'espace. Jamais le temps.
4. Oh, elle est pas belle, hein. Sinon je l'aurais fait, mais elle est pas belle. Elle est vraiment pas belle. Même que c'est B. Hein. Alors je sais, Chic, les classes des navettes, tout ça, ça nous fait que. Par exemple, cette navette, bon, c'est pas une. C'est une navette, hein. Vous voyez bien, un navette, la classe, hein. C'est marqué d'abord. Ce que c'est. Là, ça va pas être la même chose, hein. Ça va être marqué. Combattant, hein. Donc, vous avez bien compris. Là, c'est combattant aussi. Là où ça va être une navette. On va aller vite le voir, on va faire l'école. Bon, je décolle pas. 1 million 4, 22 plus 600. Elle est intéressante. On va voir. Négocier. C'est pas une belle. Pas beau. Alors je fais passer tout ça parce que. Bon, on va aller au plus vite, hein, on va lui faire une offre. Vous voyez, hein. En plus, cette chose que j'ai pas pris dans la station, il dit déjà, ça c'est pour recharger le propulseur de décollage. Hein. Mais là, il est mal placé, il devrait être en dessous. Hein. Mais on peut tout déplacer aujourd'hui dans No Man's Sky, donc c'est pas un problème. Alors, ce qu'on peut voir. Le potentiel de dégâts est plus important sur ce vaisseau là, tout simplement parce qu'ici il n'y a pas de lance-roquette. Il y a de lance-roquette, on l'a dans l'écran. Donc qu'est-ce que je vais faire maintenant? Est-ce que je peux démonter ça? Non, on ne peut pas le démonter. Alors ce que je vais faire c'est ça. Je transfère tout dans le vaisseau. Ça suit. Ça. C'est dommage, hein, on avait le plein et puis on avait déjà 20% de chargé. C'est pas un problème. Hein. Et je vais pas l'acheter et l'ajouter à ma collection, je vais carrément l'échanger. Le vaisseau. Ou pas. Si je refuse, tout retourne dans mon inventaire, vous inquiétez pas. Parce que voilà, pourquoi l'échanger ça ne coûte que 1 500 000 et l'acheter, l'ajouter à la collection ça coûte 1 500 000. Non, je vais refuser, les amis. Je vais refuser. Ouais, vous avez vu, tout retourne dans mon vaisseau. Non, non, je préfère réparer n'épave. Pas déconner. D'ailleurs, on va essayer d'en trouver tout de suite. Même si c'est comme ça, c'est pas grave. Ah, j'ai 28. Quel c'est moche. Donc, eux, ils sont un peu plus stylés qu'avant. Hein. Ah. Le vaisseau il touche pas le sol là. Tout ça. Il est en l'air. Alors, est-ce qu'on avait pris des... Voilà. Ce que je vais faire. Ah, on a trouvé un cargo. Ça peut être intéressant. On va y aller. Toutes les petites lumières rouges que vous voyez dans le radar, c'est les vaisseaux loin qui avaient sur la plateforme. C'est pour ça que moi je préférais le radar d'avant, parce qu'avec le rec, avec le radar, je suis un peu les épaves. Hein. Ah, ça c'est le. Ok. Ça on le verra par la suite, c'est un cours à jouer quelque chose. Mise à jour d'avant, hein. Ah, voilà, la dernière, un nouveau compagnon. Là, hein.
pas rester tard pour récupérer des pièces. Pour les rajouter sur les notes. Ça, ça serait kiff. Alors, comme d'habitude, hein, on va voir le terminal. Il y a le journal. Je vais essayer de rallier. De récupérer le matériel de l'épave. Alors on espère que ça va pas être trop cher, hein. Sinon on pourra pas le récupérer tout simplement. Je sais qu'il y en a là. Voilà, on détruit le futur. Et on regarde la capsule de marchandises. Et il nous demande pas du carbone. Et une belle cellule de distorsion. Et là, il faut vite vous sauver. De radiation. Voilà. Après, vous prenez votre scanner. Capsule de marchandise. Allez, ça dépend. Sauf que là, il faut creuser. C'est bien les amis. Je sais plus pourquoi. Ça vous fait user un peu plus de. Parce que si vous voulez sortir de la PV, vous vous rendez bien compte que faut trouver la porte. Hein. Et là, elle est au-dessus. Hein. Et c'est le ménage. Hein. Un gel instable. Hop, je saute de là. Merci de nous voir. Là, je vais morfler. Hein. Non, ça va. Il était juste là. Alors, on sait qu'on en a encore une. Ici, il me semble. Hein, capsule de marchandises, hein, vous les entourez si vous ne savez pas où ils sont. Là, on verra ça. Alors là, on va falloir se dépêcher. Technologie réparée. Hop, on saute. Protection radiation défaillante. Impeccable.
rapproche un peu du vaisseau. On va mettre dans le vaisseau. On va mettre dans le vaisseau. On n'a pas fini, hein, les amis. J'ai la stable, hein, 50 000. C'est bon. On va en prendre. Hein. Alors, aussi qu'il y en a encore un autre. Je pense qu'on a plus de place. Non. Dans le vaisseau, on a plus de place. Mais bon, on a un peu de place. Je referai bien une tentative, mais j'ai peur que sur cette planète, on ne trouve rien. Alors, je vais sortir. Oh, même si c'est pas grave, si on ne nous a pour rien, on s'en fiche un peu. Il va nous donner quoi? Ici, un signal de détresse. Impeccable. Pas si loin que ça. On va lui demander, on va pas lui suggérer que les autos nous ont en tort.
sait très bien que c'est. Ils ont pas tort. Ou alors si, hop. Inscrit le code Apollon. Et nous, on ira dans l'anomalie spatiale après, mais on va d'abord regarder la valise de détresse. À la valise de détresse. Et lisez bien. L'intérieur des vaisseaux écrasés, l'abrite des technologies diverses, probablement récupérées sur de nombreux vaisseaux. Le cadavre massif d'une forme de vie aviforme est étendu sur le tableau de commande. De toute évidence, la créature décédée avait un penchant pour les belles choses. La suite est protégée par une sorte de système de sécurité bicolore, comme le reste du vaisseau. C'est un assemblage de plusieurs technologies, il pourrait être difficile à désactiver. Vous savez ce qu'on va faire, non? Je sais que... On va essayer d'ouvrir la soute quand même. Hein. On pourrait chercher le pilote, mais on va essayer d'ouvrir la soute. Parvient à passer outre les trois dispositifs de sécurité ou la soute, mais une onde de choc me projette en arrière. Je risque en scannant la pièce que le résultat en valait bien la peine. Et oui, voilà pourquoi c'est important de faire ces choses. J'ai pris des dégâts, attention. Hein. Mais ça, le scanner d'économie, c'est ce qui est vraiment important. Je l'écrase, j'en ai assez de la ferrite, plusieurs de ferrite, pardon. Là, ça me donne des analyses, c'est bon à prendre. Hop. Bien sûr.
connais, vous connaissez ça, vous êtes pressé que je regarde qu'est-ce que c'est comme ça. Bien sûr. Ne vous inquiétez pas. Un relique gate. Voilà. Et ben c'est un A23 les amis. Seulement, il y a de la réparation. Mais pas grand chose finalement. Et cerise sur le gâteau, c'est tué aussi. Et là, un portée d'hyper propulsion. Si on compare. Faites bien attention parce que là, vous voyez, j'ai déjà looté des épaves. Là, regardez bien. Potentiel de dégâts, tout ça. Là ici, on n'a que du bonus. On a tout le bonus. Et pourtant, c'est une navette. Hein. Donc là, ce que je vais faire. Attention, tout ça sert à réparer, hein, les amis. Regardez, hein, c'est bien marqué. Métal chromatique. Alors vous savez quoi, moi je vais l'ajouter à ma collection pour l'instant. On va garder notre vaisseau de départ. Malgré que celui-là est mieux. Voilà. Ce que je pourrais faire, c'est la réparer et la démonter à la station aussi. Hein. Mais non, on va réclamer le vaisseau et l'ajouter à la collection. Voilà. Ça, on pourra le faire par la suite. Alors. Voilà. C'est que j'ai vu quelque chose aussi là. Hop, pour le score, on marque. Oh, je suis avec ça. Alors, on en a combien? 3? Pas plus, hein. S'il y en a là. 401, 300. Ah! On va aller chercher les deux là. Scanner à chaque fois, mais bon, prenez les droits. Scanner à chaque fois. Voilà, c'est parce que je suis juste en bas de bouton. Hein. Ah, on y arrive. Hein. Ah, ça monte. Hein. J'ai pas remarqué. Se recharger un peu. Faire valiser, ça nous prend de place. Voilà, on est plein. Il fallait 8 hein, si vous rappelez bien pour le les panneaux solaires. Alors le vaisseau est là-bas, à côté de l'autre. Hein. Alors
on a parcouru à pied, hein, 20 KS. Je pense que c'est une unité de mesure de distance, hein. J'imagine en tout cas. Sans regarder quoi, hein. Je pense que ça vous ferait de voir ça quoi. C'est aussi un motif, un modèle pour avoir de l'argent, hein. Aussi, hein. Ne vous inquiétez pas pour le vaisseau-là, maintenant il est à moi aussi, hein. Donc, vous voyez bien, hein. Avant, il va falloir que je rentre dans l'autre vaisseau pour que. Et on le récupérera plus tard. Voilà, vaisseau principal modifié, hein, vous voyez bien. Quand tu rentres dans le vaisseau. Si je rentre dans l'autre, ça va être l'inverse. Hein. Donc voilà, bah maintenant on va continuer. Avec Artemis qui nous demandait. Si vous savez plus, faites comme ça. Non, comme ça, comme ça. Vous allez dans le journal. Et là, vous allez. Parce que là, comme j'ai looté le scanner d'économie, il me demande de l'installer. Donc vous retournez dans les fantômes de la machine. Et il me demande de localiser. Hein ? Donc je vais faire un scan d'économie. Normalement, ça doit remonter. Hein. C'est du monde ce qu'on a looté. Ça c'est ce qu'ils vend lui, mais moi c'est ce que je vends moi là. Alors là c'est déjà pas intéressant, je la prends en moins 6%. Hein. T'as vu hein, les 10 que j'ai, ça vaut 488 000. Hein. Pardon, le cuivre on va le garder. Moi je vais lui vendre ça. Par contre, voilà. Ah, plus 4%. Ouais, c'est intéressant là. 1,5 million, c'est parti. 3,5 million on est maintenant. Hein. Voilà, on a fait un peu de business, hein. Et alors, on pense qu'on y va à l'eau Terminus.
c'était ce tour-là. Bon. Vous êtes toujours pourquoi? Parce que là, ça veut dire décollage gratuit. Hein? Alors, n'oubliez pas tout de suite. Là, j'ai pas besoin, même pas besoin de me tabouiller pour l'instant. Hein. Si on en a besoin, on ira le chercher et on va monter. Faire attention, doucement. Le problème est surtout là, au deuxième. À chaque fois, je traverse le. Ah, voilà. Ah, on l'a bien accroché. J'ai l'impression que c'est quand vous êtes trop vite. Il n'a pas le temps de le capter. Après, une tuile, ça le fait plus. Voilà. Graphique. Il y a plusieurs sources de signal disponibles. Ça vous dira toujours le même message. Hein. Quel abri t'as puissant et en règle sur Apollon, bien sûr. Quel abri t'as puissant et menteur conçu pour faciliter les communications holographiques sur de grandes distances. Et nous, on va régler sur Apollon. On va faire la connaissance d'Apollon, évidemment. On a toujours les pieds dans le sol. Bon, c'est un détail, mais bon. D'ailleurs, moi je trouve que c'est devenu un très très beau jeu, mais il y a quand même des trucs à améliorer quoi, pour moi. Bon, c'est pas grand chose, ça bouge pas le gameplay ni quoi que ce soit. Hein. Alors on va parler à Apollon. Et celui des clients. Alors, est-ce qu'on va le fixer en retour ou on va le saluer? Oh, on va le saluer. Qu'on a un ami de la tribu, mais on le connaît pas. Voilà. On peut trop dire. On va demander pourquoi. Ah ouais, d'accord. Le mec il veut du pognon quoi. Pas le mec. Je sais pas si c'est un mec. On va lui dire que bah Artemis est en danger, de toute façon on n'a pas d'autre choix. Voilà pourquoi je veux faire l'histoire les amis. Il y a plein de trucs importants quoi. Les portails, tout ça. Sinon on ne le saura jamais. Les portails, attention, ça n'a rien à voir avec avec les téléportations, hein. De toute façon, vous allez en voir, hein, dans mon esprit, hein. On va lui donner les journaux, transférer. On va d'abord lui dire que la vie a plus de valeur. Hein. Ok. On va accepter.
Voilà pourquoi c'est important, les amis. Regardez ce qu'il me demande. Hein. Si tu veux travailler avec moi, nous devons agrandir ta base d'opération. Je vais t'envoyer à un de mes contacts et il te fournira ce dont tu as besoin. N'oublie pas d'être poli. Tandis que l'hologramme s'estompe, Apollon tourne très légèrement la tête sur le côté, comme s'il soupirait, l'air attristé. Ou peut-être n'était-ce rien, un fantôme dans la machine. Sur 10, nous en avons 3. Alors on va transférer tout ça. On va monter dans le vaisseau. Oh. Ah, vous savez quoi? Sur de la place. Technologie rechargée. Ça, je vais le garder quand même, hein, parce que le jour on a plus de. Enfin, on en a encore 700, hein, mais bon. Alors là, ce qu'on nous demande de faire, c'est. Je pense qu'on va d'abord aller voir. Ah non, on doit localiser. On va dans l'espace. Regardez bien, on est sur mission en cours, mais il va changer, vous avez vu? Il ne l'a pas laissé sur mission en cours. Faites bien attention à ça, les amis. Station Atlas, voilà, il m'a mis la station Atlas. Et regardez, hop, la mission en cours, c'est en vert. Regardez le trait du vert. Et là, seulement, vous allez essayer de warper. Voilà, le contact, localiser le contact d'Apollo. Et là, on fait seulement la distinction. Dans la station, hop, petit rituel, on a grandi les combinaisons, vous pouvez très bien agrandir ce côté-là, comme je le disais tout à l'heure, oula, hein. On va pouvoir l'agrandir là, comme ça,
N'hésitez pas aussi, hein, les amis. Il y en a une sur la table. On va regarder qu'est-ce qu'il a comme un haut. Classe B, on n'intéresse pas, bien les plus. Et notre ami qu'on cherche, il est à l'intérieur. Il est exactement ici. Alors, rappelez-vous, sur quelle planète on est, nous. Environnemental, on en a besoin. Et nous, si vous vous rappelez bien, c'est contre le froid. Et nous avons une protection contre le froid, 15 données récupérées, le plan enregistré d'un exonef. Regarde, les amis, hein. Est-ce qu'on avait encore des choses à vendre? Oui. On va déjà tout de suite installer le machin pour le froid. Je mets toujours dans la technologie. Hein. Là. Il est à moins 2%, mais bon, on va le vendre. C'est de la place. Alors là, il y a des endroits où. Vous voyez, il faut le passe à classe V3. Alors, une fois qu'on aura celui-là, on sera déjà un peu plus avancé. Et bien. Voilà, je veux toujours parler au capitaine là, pour voir. Ah non, 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 pas au paradis. Je vais le passer, hein, je vais passer tout ça parce que c'est refusé. Hein. De toute façon, lui, je compte même pas l'embaucher. Peut-être pas. Alors, on sort. Bon, on va y aller, hein. On a envie de quoi faire, maintenant, hein, en fait. Regarde bien. On va se téléporter à notre base. Retourner à votre base. Voilà, ça a été. Et la suite. Attendez, bon. J'en perds quelque chose. J'en ai encore 6. On va chercher le cartographe vite fait. Voilà, comme je dis, je vais lui échanger mes cartes. J'en ai 6 et je vais prendre voler. C'est pas grave. Épave de cargo, épave de vaisseau. Ça peut être un bâtiment abandonné. La poussière de ferrure, j'en ai 1500 quand même là, hein. On est bien là, manque juste un peu de carbone, mais bon, c'est pas grave, on va faire. Alors pareil, on se tient au téléport, vos bases, on en a qu'une, hein. Ça s'appelle nouveau départ, et se téléporter vers nouveau départ. On va déplacer le vaisseau.
garé dans le coffre. Hein. Vous avez vu qu'on a fait quoi le courant, hein? On en parle à l'ancienne, hein, ici. Avec le générateur de carbone. Donc, par contre, il y a du carbone, hein. Hein? J'ai pas d'indice, ça. On va le faire. Alors voilà la différence maintenant, vous avez vu, au-dessus de ma protection environnementale, en fait, non, ouais, si je fais ça, avec la dioxyde, je recharge ma protection, qui est là, aussi la recharger directement là, hein. Et là, c'est le système rapide, hein, en dessous, là. C'est rechargé, bon. Voilà, vous avez compris. On va peut-être faire pour la prochaine fois. On sort un peu notre... C'est bizarre, ça, hein. Ils nous ont fait des plantes qui poussent en dessous là. Alors on peut... On connaît, on les connaît. C'est bien. Alors impeccable les amis. Alors voilà. Sur ce, les amis, ben, on va s'arrêter là pour le 4e épisode. Hein. On en rencontre Artemis, qui est complètement perdu, hein, qui sait même pas où il est. On a rencontré Apollon, qui nous a demandé de travailler pour lui, mais pour l'instant, il faut qu'on a grandi un montage pour être en mesure de travailler avec lui. Voilà. Alors c'est ce qu'on fera la prochaine fois, c'est ce qui m'a fait. Hein. De placer un terminal de construction dans la base, accéder aux menus de construction, mais avant de placer un terminal de construction, on va pas le prendre. Ah, si je vais arriver à mettre nanite là aussi. Ouh. Ah, 23 slots. Intéressant. Surtout qu'on peut encore l'agrandir maintenant, hein, parce que je vois en dessous là. Ça peut devenir un truc énorme. Je vais juste comparer. Bon, c'est la classe A qui, hein, et quand même. Et celui-là aussi je peux l'agrandir. Hein. D'ailleurs je voulais le garder exprès. C'est le prix, 2,8 millions. Hein. Non, on va garder le prix. Alors, on fera ça la prochaine fois les amis, hein. On va terminer comme ça. Ah, c'est pas ce que je voulais faire. Alors voilà les amis, je vous dis bye bye et à très très vite pour l'épisode 5. Sur No Man's Sky. Allez, bye bye les gens.